On est mardi 22 janvier, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé comme ça. La lumière là doit être un petit peu dégueulasse parce qu'il fait vraiment pas beau ce matin. J'ai pris la résolution d'aller marcher une petite demi-heure tous les jours ou au moins tous les 2 jours. Je l'ai fait hier parce qu'il faisait pas trop moche, mais là, bah tant pis, hein. Ça attendra demain. Au pire, je ferai mon petit sport sur mon petit tapis dans mon salon et puis ça suffira si j'ai le temps. Donc je reprends la dernière vidéo, je vous ai pas parlé de vive voix, je voulais juste vous montrer la réalisation d'un, enfin la revisite d'une peinture que j'avais faite, je sais pas, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc vous avez vu ça la semaine dernière. En ce moment, bon, je vais vous raconter sur quoi je travaille. J'ai un petit contrat d'édition pour un livre scolaire, ça je crois que je vous l'avais dit. Donc j'ai une petite douzaine d'illustrations qui sont assez petites, un peu façon cabochon, pour ceux qui connaissent. Les cabochons, en fait, vous savez, c'est les petites illustrations qu'il peut y avoir en bas des pages de texte ou des choses comme ça. Donc là, c'est un peu plus... c'est pas un petit cabochon avec un petit élément, c'est vraiment des mini-illustrations, mais qui restent assez simples, donc ça va assez vite. Donc j'en ai une douzaine comme ça à faire pour fin février.
On est mardi 23 janvier. Excuse cette tête un petit peu écarlate. Je sors du sport et de la douche. Donc j'ai eu un petit coup de chauffe. Là, il doit être un petit peu plus de 10 heures. Je sais pas trop. Donc il serait temps que je commence à travailler. Je vais enfin pouvoir vous raconter ce projet sur lequel je travaille. Attendez, je vous cale un peu mieux parce que je vous tiens, mais pas sur un truc super stable. Bougez pas. Donc, voilà. Là, vous êtes. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc, ouais, je ne vous ai pas fixé, je vous ai juste posé là sur des supports en dessous, là. Voilà, c'est juste pour vous parler 5 minutes comme ça. Donc, je peux enfin vous parler du projet dont je ne pouvais pas vous parler. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça le plus brièvement possible, parce que je peux vous raconter des choses, mais pas trop non plus. Donc, je peux déjà vous dire que je vais travailler avec le Louvre. C'était une première bonne nouvelle. Et c'est dans le cadre du projet La Boîte à Histoire. C'est un projet un peu pédagogique. Et donc moi, ils m'ont demandé de réaliser 10 illustrations pour Akemi Shibai. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'Akemi Shibai, je vous mets un petit encart là qui va vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc j'ai 10 illustrations à faire et l'activité sera mise en place dès début mars, il me semble. Donc moi j'ai tout janvier-février pour travailler sur ce projet, les croquis sont faits, j'ai tout envoyé, j'ai eu des premiers retours avec des petites modifs à faire mais pas grand chose. Dans l'ensemble, ils sont assez contents de ce que je leur ai envoyé, enfin elles sont assez contentes de ce que je leur ai envoyé. Voilà, donc j'ai tout février pour faire les 10 planches, ça va sûrement pas me prendre tout le mois, je pense pas. Si ça tremble, là, c'est pas de ma faute, hein. C'est une à côté qui fait sa toilette. Le chat, hein. Ma fille à la crèche. donc voilà, ça va peut-être pas me prendre tout février. Parce que en général, je fais un album sur un mois. Donc là, un album, souvent, c'est 15-20 illustrations, ça me prend un mois et demi. Donc là, 10 illustrations, ça devrait me prendre un petit peu moins du mois. Quoique février est court, hein, donc peut-être que ça me prendra tout février. Si jamais ça ne me prend pas tout février, j'ai plein de petites idées de plusieurs projets à faire et pour moi, pour mon stock perso à moi et aussi pour une galerie. J'aimerais bien changer un peu ce que je leur fournis, donc refaire une petite vague, surtout que j'ai plus rien. Alors là-bas, ils en ont, mais c'est des anciennes, faut pas pousser, mais des séries un peu passées. Et donc j'aimerais bien leur envoyer, leur déposer des nouvelles peintures, surtout des petites princesses. Vous voyez, les princesses des bois là, avec les forêts dans les arbres, j'aimerais bien, et surtout en grand format, j'en ai pas encore fait des grands formats. Et j'aimerais bien aussi en grand format faire des Frida, Frida chat, Frida renard. J'aimerais bien tester, voir ce que ça donne en grand. Voilà, un petit peu le programme. Donc hier, comme je vous ai montré, j'ai travaillé sur les petites illustrations. Vous avez vu des petits extraits. Et aujourd'hui, ben, je vais travailler sur la correction de mes croquis. Mais ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer plus que ça. Parce qu'en fait, j'avais demandé l'autorisation pour savoir si je pouvais vous en parler, si je pouvais vous dire que je travaillais avec le Louvre, si je pouvais vous dire un petit peu en quoi ça consistait. Donc oui, je peux. Je peux vous parler de l'activité, mais je ne peux pas vous dire le contenu du compte, quoi. Le problème, c'est que dans le compte, il y a des éléments super reconnaissables et si je vous montre un morceau, vous allez tout de suite savoir de quoi ça va parler. Donc il va falloir que je fasse des petits zooms intelligents. On va essayer de faire ça et parce que bon, ça serait dommage que je vous en montre pas du tout pendant un mois. Là, moi, je vais être frustrée de pas partager ça avec vous. Donc je vais essayer de m'arranger pour que ce soit pas trop reconnaissable avec des zooms. Maintenant, tout de suite, je vais faire un post Instagram sur mes broches. Juste histoire de rappeler qu'elles sont là et qu'il m'en reste quelques-unes, mais très peu, dont celle-là. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Dont celle-là qui est une lune avec un bonnet rayé. J'en ai quelques-unes d'autres qui restent, mais peu, ça s'est pas mal vidé avec mes soldes. Elles sont à moins. J'ai dû les mettre à moins 25% dans ma boutique. Vous avez le lien toujours en dessous, comme d'hab. Donc je vais faire un petit post, essayer de faire un petit post rigolo, ou pas, ou très sérieux, enfin un petit post quoi. En général sur Instagram j'essaie de poster une à deux fois par jour,
J'ai pas envie de noyer les gens de publi, donc j'essaye de m'imiter à ça. Je sais pas, tiens, je sais pas en fait ce qui est le mieux pour être le plus visible. Est-ce qu'il faut bombarder et quand je dis bombarder, j'entends genre 5 publis par jour, ou est-ce qu'au contraire, une publi par jour, c'est amplement suffisant? Et je sais pas du tout la technique qu'il faut avoir, je suis pas très au point là-dessus, je sais pas. Je sais pas du tout. Je fais pas partie de ces gens qui maîtrisent vraiment Instagram. Facebook, j'avais appris à comprendre un peu quand poster, quoi poster et comment tourner mes publis pour que ça intéresse un minimum. Sauf que maintenant, on a beau poster tout ce qu'on veut, et on est devenu invisible. Et donc sur Instagram, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc si jamais vous avez un compte qui cartonne et que bah, vous avez des petits conseils à me donner, je prends. Merci d'avance. Allez, je m'y mets. Thank you.